Bonjour. En ce début de week-end, bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar El Bled. Contre toute attente de la part de la junte militaire algérienne qui espérait tirer profit de cette crise entre la Russie et l'Ukraine, un effondrement total du prix du gaz en Europe. Avant d'entamer le sujet, n'oubliez pas de vous abonner sur votre chaîne préférée Akhbar El Bled, mais surtout n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être sûr de recevoir, à chaque fois qu'il y a du nouveau sur la chaîne, un bip qui vous avise et qui vous invite à y aller. Vous cliquez sur la cloche, YouTube va vous envoyer un bip qui vous avise qu'il y a du nouveau sur Akhbar El Bled. Le reste de l'acheminement de l'information vers votre téléphone portable, c'est Akhbar El Bled qui va s'en charger. Rebonjour. Voilà donc cette crise entre la Russie et l'Ukraine continue de brouiller les cartes des militaires au pouvoir en Algérie. Ces militaires qui ne savent plus s'ils doivent dénoncer le mouvement séparatiste engagé par la Russie ou le soutenir. Maintenant, ils sont surpris par l'effondrement du prix du gaz en Europe alors qu'ils misaient sur un grand profit à ce sujet. Contrairement aux pronostics, le prix du gaz s'est effondré en Europe vendredi après une hausse record le jeudi. Les prix à terme du gaz en Europe ont chuté de 21% en début de séance le vendredi en s'affichant à 1 230 $ par millier de mètres cubes alors que celui-ci était échangé à 1 650 $ le jeudi. Cet effondrement des prix est conséquent à l'augmentation des approvisionnements en gaz naturel en provenance de Russie vers l'Europe via l'Ukraine vendredi. Les demandes de transit de gaz naturel de la Russie à travers le territoire de l'Ukraine vers l'Europe ont augmenté vendredi de 19% par rapport à la veille et ont atteint 100 millions de mètres cubes, a fait savoir la société GTS, Operator of Ukraine.